Dis-moi que c'est une smoke. Non, c'est une HE. Ah, on est vu, on est vu. Moins 1. Oh non, tu l'as vu mon ref. S'il te plaît, lâche pas la ligne. Allez, viens m'aider Lucky. 3, 2, 1. Allez, viens m'aider Lucky. Oui, oui Lucky, 1v1. Et là, on a de la flash pour gagner encore un peu de temps. Voilà, on est vu, on fait des dégâts. On lâche, on met la pression, c'est pas grave. Tire de sommation, t'es stressé. Voilà, c'est ça Lucky. T'es toi, t'es un champion frère. T'es un champion, t'es un champion. Tout autant frérot, t'es un monstre, t'es un monstre. Mais les gants peut-être. Aïe aïe aïe, on est vu XT. Oh, il nous fait quoi Boomich? Allez, moins 1, moins 2, 3v1. On sait que le last est là, on viendra diffuser la bombe. Un peu de cover, un peu de cover, un peu de cover. Non, 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 wall pas Lucky, faut pas wall. Oui Lucky, oui, oui frérot, la cover, 9 à 4. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MALEXCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Let's go les gars, on joue Cloud9. C'est un énorme, énorme, énorme morceau. Boomich, Perfecto, Electronic, Axile, très très costaud. Et on envoie direct le pistol avec Fast Smoke pour le B. Qui arrive ou qui arrive pas. Voilà, pour bloquer le connecteur. On a de la smoke, on a de la mollo. On isole, on envoie la CPL exec à fond au beat. Et là pour réceptionner, il va mettre un WhatsApp, il fera tomber la bombe déjà. On est 4v5. Côté 3D Max, on a déjà tout le backup au niveau du connecteur. On a déjà tout le monde. Aizer, merci pour la donation de beats. Et ça diffuse. La mollo est ratée, non? La mollo est ratée? La mollo est ratée? Ah, la mollo est réussie pour la deuxième. 3v3. Allez les gars, lâchez pas. On a le temps. Boomich qui va la diffuse. Mais 10 secondes, ça va être dur à tenir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, faut y aller. Aïe, 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 il la mettra. Boomich va faire confiance. Aïe, une seconde. Ça passe. La retake passera pour Cloud9. On a raté une mollo, c'est dommage, ça aurait pu nous faire gagner un peu de temps. Ça aurait pu nous faire gagner un peu de temps. Le point positif, c'est qu'on a quand même planté la bombe, ce qui fait qu'on a un peu d'argent. Et donc, on va très certainement forcer. Parce que maintenant, l'économie en MR12, elle est infâme pour le side CT. Donc, il faut mettre toujours la pression quand on est hétéro. Voilà, ça, c'est la smoke rapide côté B. Mettre encore un peu de pression là. Ça appelle. On est 3B pour réceptionner. Et pendant ce temps-là, on est en train d'investir le mid. Et faire une petite prise de zone de la window. C'est un petit contre-boost. Voilà. On sait maintenant qu'on a bail. On est découvert. On attend, on attend, on attend. On attend des contrôles. On est en train d'investir le mid. Petit à petit. On a pris la double porte. On avance proche de la caméra. Est-ce qu'on a une smoke pour le temple? Ça va décaler côté Boomich. On est vu. Et ça échange des tirs. Et c'est 3v3. 3v3. On a un petit raté là de la part du gars à la Galil. Je sais pas sur qui j'étais en POV. Et Axile qui va faire le kill. On va planter la bombe côté Lucky parce qu'il sait qu'il va pas jouer la zone. On bloque la caméra avec la mollo. Personne n'a cross. On smoke. C'est pas mal là ce qu'il est en train de... Mais il a 12 balles. On essaie de fake. Pas mal là ce qu'il vient de faire. Il en est posé. Et ouais, pas assez. Obit qui cross la smoke, qui va revenge son coéquipier. Plantage de bombe, 3 armes de tombée. Est-ce qu'on continue de mettre la pression avec un achat à côté 3D Max? C'est la question que je me pose. Je pense que ça va bail. Hein. 3k8, 3k2, 3k9, 3k2, 3k2. On peut buy côté 3D Max encore une fois. Donc là, encore une fois, on est sur le mid. On est entendu hein, côté Hobbit. On a décidé de pas trop buy. Hein. On fait un achat. Enfin, un semi-achat côté Tero. Pour pas trop prendre l'eau économiquement. Et là, on cross en slow là côté Joko. Voilà, la flash qui pop. On vide la double porte. On décale ligne par ligne. On a vidé la window, c'est pas mal. Est-ce qu'on envoie la smoke? Ah, c'est bloqué au niveau du temple. Boomich qui va rota.
Molo inutile de Boomic, mais on prend. Hein. On a l'air de vouloir forcer sur cette caméra là. Peut-être qu'on a vu un truc dans les démos. On voit le stuff électronique. Un Xil qui va aller faire la bagarre au niveau de la caméra. C'est très intelligent de sa part. Oh là là, on flash, on a été vu. Ça part dans tous les sens. On arrive à faire le kill sur Boomich au niveau du mid. On investit le spawn CT là. Là, il y a des mecs infiltrés partout au spawn CT. Qu'est-ce qu'on fait? On va en A, on va en B. On a l'air de se diriger vers le A. Exe fait quoi là? Ça, c'est le foutoir. C'est le foutoir total. 2v2. Il y a des trous partout sur la map. Obit qui arrive à énormément gagner du temps. Parce qu'en plus, maintenant, électronique. Aïe 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 aïe, électronique. Ah, on l'a vu. Oh là là, électronique, il arrive à tenir et en plus il mettra l'OHP Maka. Maka maintenant 1v2, Maka maintenant 1v1, il reste 3 balles. Oh là là, il va mettre le 2 balles, super ça. Oh, oh le 1v2 de malade qui vient de coller, frère. Il lui restait 3 balles dans le chargeur, il a foutu 2 balles à électronique. Oh là 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 là. Super ça, super. Allez, ne pas tomber dans l'euphorie, restez calme, restons calmes. Il faut que je reste calme. 2-1. Les 4 armes de tombée côté terro, donc les CT, ça baille. Ça va baille automatiquement pour nous causer du mal. Donc là, c'est un round qui compte double. Celui qui gagne ce round envoie son adversaire en écho. Fait un appel toujours sur le mid. Ah, tout de suite, ça bloque maintenant au niveau du mid. Regardez, on a deux mecs au niveau de la window, Axile électronique qui vient bloquer. On délaisse totalement le A. Allez. On a vidé la pizza. Moi j'appelle ça pizza. Je sais pas comment vous appelez cette zone. Je viens de recevoir un message comme quoi Maka avait 42 fièvres. Donc j'espère qu'il a pas le Covid ou un truc de zinzin. Il a été en urgence chez les médecins et tout. Donc il joue dans un état de malade. Malgré la victoire dans le premier tour. Et là on joue Cloud9 au deuxième tour. Et sachez qu'il est vraiment pas bien. Allez, est-ce qu'on va vider la zone? Parce que là c'est un stack up. On en fait deux. On fait un triplé avec Adji qui videra bien. La water, c'est pas mal. 5v2, bombe amorcée. Est-ce qu'on se doute qu'il y a un mec hauteur? Joko, on s'est croisé. Joko va la kill. Et il restera uniquement au beat pour aller faire un exit. Ça part hein, sur un shonen. Ouais, non, je viens d'avoir un message là. Et je viens de voir que Maka avait à 42 fièvres aujourd'hui. Il était aux urgences ce matin. Et il joue quand même comme un super héros. Map terro, Benoît. Okay. J'espère qu'il va très bien déjà. Je suis trop dégoûté d'apprendre ça. J'étais content de la première victoire déjà. Tirage difficile sur le deuxième tour. Mais Anubis, c'est une map qu'on apprécie. Et là, je vois que Maka, il tient la route. C'est un grand gaillard. C'est un grand sportif. C'est quelqu'un qui s'alimente bien en général. Qui a une bonne hygiène de vie. Donc, je suis content de le voir comme ça là sur le serveur. La moustache en sueur. Elle moustache chaud. Ouais. Allez, faut rester lucide. Faut juste rester lucide. Là, on a envoyé Cloud9 en écho. C'est une map terro, les gars. Donc, pas d'euphorie, même si on met round après round. Croyez-moi, cette map est un enfer à jouer en CT. Ça veut dire que là, faut prendre le plus de rounds possible. Parce qu'on va passer un sale quart d'heure quand nous, on passera terro, croyez-moi. Allez, c'est parti. Let's go, baby. On fait du contrôle map. On bloque au niveau du connecteur avec une petite smoke. Joko qui avance petit à petit et qui la garde. On a délaissé totalement le B là. C'est Lucky qui a la responsabilité du B. Et c'est sur le stack. On est en train d'avancer sur le stack. Joko qui envoie de la mollo, de la HE qui va connect. Un petit kill plus quand même encore des petits dégâts. Il décale ligne par ligne. Oulala la flash. Oulala la flash. Oulala. À l'aide. Allez, il va donner l'info là, moins 1, moins 2 HP. Triplé, il sait qu'il y a l'information, on s'en fout, on investit le A, on va essayer de sécuriser la bombe et de repartir. Voilà, on prend pas de risque, on passe par le spawn terreau, on va bien sauter la ligne. On plantera la bombe. Et pendant ce temps-là, Exe qui a bloqué la hauteur, qui garde la caméra. Super travail. Et Lucky qui est au niveau de la window tranquillement. Il y a l'AK de Joko et de Adji en dessous là. Il faudrait peut-être essayer de. Ouais, faudrait peut-être essayer de sécuriser pour pas qu'il les prenne. Ah, salut Dino. J'espère qu'il va pas s'effondrer.
En réalité, bon, vu que c'est que des BO1, si ça s'éternise pas trop, qu'après il faut aller vite s'alimenter, manger, s'hydrater, boire de l'eau et surtout aller dormir pour bien se reposer, être en forme demain, ça me ferait quand même du bien d'avoir cette nouvelle parce que là, je vous cache pas que d'apprendre ça, ça me fait mal au cœur. Parce que je le connais, c'est un super gars, c'est un mec qui a une éthique de travail de fou, c'est un mec qui a une loyauté, qui lâchera jamais ses coéquipiers et il se donne à 100 000% dans tous les projets qu'il a eu sur CS. J'espère vraiment que ce match ne s'éternisera pas et qu'il pourra juste aller se reposer pour qu'on l'ait à 3 milliards de % plus tard. Même si là je sais qu'il est à 3 000%. Même si il est fatigué. Ouh là là, c'est la grande CPL. C'est la grosse CPL. On arrivera à faire un kill côté Adji en courant. C'est revenge côté Adji. On sait qu'il y a un troisième contact. On est bloqué côté Boomich et on est renfermé derrière, mais on va cross. On rentre dedans comme des guerriers. Boomich qui en fera qu'un seul. On a toujours cet avantage numérique. On a été renfermé derrière. Et c'est Maka qui a cette responsabilité. Et Maka, attention, il a un HP. Hein. Il a un HP. Hein. Faut qu'il bait Maka. Aïe aïe aïe, Maka il a chié dans le spray, mais c'est pas grave, il fait quand même un bon beau gros dégât et il donnera un avantage numérique à ses coéquipiers. 2v1 maintenant. On sait que ça arrive dans le cul. Voilà, on s'est repositionné tranquillement. Adji est là, il pourra renouveler la smoke. Joko qui gardera la hauteur. C'est vraiment une superbe accélération, la super call de la part de Maka. Voilà, on bloque, on délai, on smoke, on remet de la flash. Voilà, Obit ça va lui donner envie de repartir. Voilà, il repart Obit, c'est fini pour lui, il va aller écho. 4 à 2, superbe agression, là. Gros changement de rythme et surtout on voit millimétré, hein. Grosse exec, super agressif, super paquet, on reste ensemble, on est collé, on se revenge, un bel esprit de combativité là sur ce round armé. Adji vraiment il a distribué de la tartine et dans la situation de Maka les gars, tout le monde aurait chié dans son spray. Un HP, t'as vite envie de tuer le mec et de te remettre en sécurité derrière le mur. Et donc en fait il a tiré en reculant après parce qu'il voulait aller derrière le mur, ce qui fait qu'il a perdu de la précision. Et après bah, il a un peu tremblé et il perd le duel. Mais il met tellement de dégâts, il gagne tellement de temps sur le duel que son coéquipier derrière vient revenge. Donc pas de mal. Voilà, et là on accélère encore sur le mid. Hop, on tombe dans le connector et on va split le B désormais. Allez, Obit qui va en faire un. On sait déjà qu'il est au niveau du temple. La flash qui fait très mal à Adji là. On a besoin de l'aider. Ouh là là, il y a quelqu'un dans le cul. Electronique arrive, il en fait un, il en fait deux. Putain, Electronique gros, il me dégoûte. 2v2. Voilà, il sera éteint. Voilà, one tap d'exercice, il fait très mal. Hein. Il pouvait pas nous faire une Zibou là, Mirage, qui se rappelle de quand il arrive dans le dos là, il a tout raté au P2 là. Là il a rien raté là, Electronique frère. Exé, 1v1 maintenant. Parce qu'Axel il a mis une grosse patate au Deagle. Et c'est Exé qui viendra lui décapiter le crâne, 5 à 2. Et super déco de la part de Cloud9, hein. Ils font tomber 4 armes, c'est pas trop mal. Si ça va vraiment pas, tu le remplaces. Mais t'es un zinzin ou quoi? J'ai le niveau d'un orang-outan là. J'arrive plus à tenir une souris, lui il veut que je joue. J'ai 55 ans, laisse-moi prendre ma retraite frère. Allez, et GG Exercice parce que là il faut aller du sang-froid là. Là il faut aller du sang-froid. On a mis quand même des petits clutches. Hein. Tout à l'heure Maka 1v2 face à Electronique. Là Exercice encore qui assure. Et on refait la phase. On refait la phase d'exécution. On est deux, on est obligé de reculer. On va essayer de contre-flash, il en fait un, il en fait deux Axil, puis un troisième même grâce à son coéquipier. Boum, il se replace au niveau de la water, on va le mollo, il est deny, une flash pour essayer de lui faire sauter la ligne. Et là on pourra décaler, mais il s'est replacé au niveau du BP, hein. Boum, il y a une super ligne là, elle est très dure à décaler celle-là. Ouh là là, on lui a bait bien deux shots, Electronique qui fera le duel. Allez Maka, t'es en 1v4, t'es en 1v3 maintenant. Est-ce que t'as le temps de te placer, des petits timings sur Electronique se doute. Mais Nacho qui fait mal. On a bloqué le Heaven. On se met une smoke pour jouer avec. On a toujours pas la bombe dans les épaules. Mais là, planter la bombe c'est trop risqué. Faut qu'il la joue un peu comme ça. Ça y est, il a eu un contact. Il a deux informations sur trois. Obit n'est toujours pas venu renfermer. C'est Electronique qui va remporter ça. Et on viendra save en plus la WAP. On a été tenter encore une fois le round exec en A, rapide depuis le début du round, mais c'est pas passé. 5 à 3. On économise 3 armes côté CT. Ça leur met quand même un peu d'économie de côté. Donc là, il faudrait jouer lent. Là, il faudrait refaire un jeu lent sur le round middle comme ils avaient fait.
Je vois bien ça là comme call. Navi joue après. Ouais, tous les matchs se jouent en simultané. Hein. Et Navi, j'ai vu que c'était 30 minutes après de nous. Moi, ils assurent que c'est les bons joueurs qui jouent. Ils sont monitorés. Quand tu joues à ce niveau-là, t'as un admin sur le TeamSpeak qui t'écoute et qui enregistre ta communication. Plus t'as ton PC, les logs de connexion, les IP, des trucs comme ça. Voilà, Boumich qui va faire le travail. C'est une bonne question, hein, mais voilà. Allez, Exe qui vient décapsuler notre ami Hobbit. On est 3v3 maintenant. Boumich qui va devoir lâcher la zone. Voilà, il joue intelligemment. Boumich, il est obligé de repartir. Swan CT. Avent, merci pour le sub. Pour répondre à ta question, tout est analysé, hein. Les touches de joueurs, ça veut dire que si moi là d'un coup je me mets à jouer sur le PC de Maca et que lui il switch à la molette, que moi je switch avec un bouton, tout de suite c'est pas normal, tu vois. Exe, encore une fois le héros qui viendra mettre un 3v2 pour un avantage numérique et toujours beaucoup de sang-froid et de calme. On est 2v2 maintenant parce que Axil a repris le temple pour faire un kill et on se fait un peu oublier, on crée le doute, regardez, on crée le doute. Donc il rota vers le A et nous on va aller en B en toute fin de round. Et c'est une super nouvelle ça. Par contre Exe, il va falloir qu'il saute la ligne. Ah, c'est Lucky pardon. C'est Lucky qu'il va falloir qu'il fasse attention à la ligne temple. 3, 2, 1. Maintenant beau gosse. Voilà, 20 secondes. Il faut faire attention à la ligne temple. On check un petit peu le spawn CT. 3, 2, 1. Maintenant on fait une double décale. On bloque le temple, on se repositionne au niveau du connecteur, c'est bloqué, c'est parfait. Super travail là encore une fois, beaucoup de sang-froid, on freeze. Le freeze est payant et on a un 2v de retake avec un AWAP. Ouais, on a un AWAP, on a du kit, on a deux kits, on a de la smoke. Ah les CT ils peuvent nous poser problème là. Là ils peuvent nous poser problème parce que regardez, on a une smoke pour le main comme vous pouvez voir. On s'en fiche parce qu'on n'est pas posé au niveau du main. Ouh là là, Maka qui vient d'arracher la gueule de Axil et Boumich. Oh, il s'est rétracté tout de suite. Ah là là, il a perdu son slip. Allez, va-t'en. Va-t'en, Boumich. Et vous savez quoi, c'est pas méchant ce que je vais dire, encore une fois. Faut pas prendre des critiques pour de la méchanceté. Mais on voit là tout de suite les limites de Boumich qui joue au sniper. Contrairement à un Shiro, à un Simple, à un Ziwu, etc. Peut-être que ces joueurs-là assumeraient. On l'a vu jouer trop intelligemment. Moi j'aurais joué comme ça aussi parce que je suis pas un snipe. Mais il était ici et on voit qu'il se voyait qu'il était en difficulté. Il a reculé pour jouer intelligemment et pour repartir. Et un gros sniper, un Monesi, un Shiro, un Searson, un James, un Kadian, Zibou, ce que vous voulez, ils auraient peut-être joué la gourmandise. Ils auraient peut-être essayé d'aller plus loin. Ils auraient peut-être fait le pic de plus. Ils auraient peut-être pas lâché la zone comme lui il l'a lâché. Jamais il save la simple, exactement, tu vois, c'est des situations où là tu vois la limite d'un joueur qui a un rifle et qui joue intelligemment comme un rifle et pas forcément comme un sniper, qui a cette confiance d'agressivité et de se dire je redécale, je peux faire la différence sur un shot. C'est un AWAPer, il réfléchit pas du tout comme un rifle. Un rifle, il calcule les probabilités de risque, etc. Un AWAPer, il s'en fout des risques parce que un shot, il fait le kill. Axil qui vient de faire un petit kill sur la caméra. Boumich qui va en faire un. Il est vu, il est mollo. Axil enfin qui va tomber. On est 2v3, ça se met. Hein. On est 2v3, ça se met. Parce qu'en plus, l'exercice reprend la profondeur de la hauteur. Donc il verrouille quand même toutes les zones. On n'a pas de stuff quand même pour gagner du temps. Il nous reste 40 secondes. Allez on décale. Est-ce que c'est une smoke ça devant toi? Dis-moi que c'est une smoke. Non, c'est une H. Ah, on est vu. Moins 1. On a... Tu l'as vu mon ref. S'il te plaît, lâche pas la ligne. Allez, viens m'aider Lucky. 3-2-1. Allez, viens m'aider Lucky. Oui Lucky, 1v1. Et là on a de la flash pour gagner encore un peu de temps. Voilà, on est vu, on fait des dégâts. On lâche, on met la pression, c'est pas grave. Tire de sommation, t'es stressé. Voilà, c'est ça Lucky. T'es un champion frère. Tout autant frérot, t'es un monstre. Lucky, Exe, encore une fois, extrêmement solide. Et on remerciera le Bunny de s'être échappé de la hauteur parce que il a pas de check jusqu'au bout, il fait un kill et il arrive à s'échapper. Waouh!
Il arrive à s'échapper, après il fait une décale accroupie en mode all-in. Ça passe pas, mais derrière on a Lucky qui est bien repositionné, qui vient aider son pote. Vraiment c'est fabuleux là, 7 à 3. On est en train de fumer Cloud9, mais c'est le side terreau. C'est un side d'attaque cette map, c'est, sachez-le. Faut rien prendre comme une victoire. C'est petit à petit, parce que croyez-moi, cette map est un enfer en CT. Adji qui viendra faire tomber grâce à l'aide de Maka et du double stuff le mec au niveau du spawn CT. On vient deny le temple, on vient deny le Kubi. Voilà, le kick a la responsabilité du cul, encore une fois tranquillement. Exe qui a la responsabilité du mid, encore une fois aussi. Voilà. Oh là 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 là, Orbit électronique qui vont faire des exploits de zinzin pour rétablir un petit peu cette balance numérique. Et on est 3v3 et la bombe n'est toujours pas amorcée. On a plus trop de stuff par contre maintenant pour deny. Est-ce qu'on arrivera à prendre la bombe et planter de manière safe? Surtout que on a exé. Oh là 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 là. On le sait, on le sait pas. Oui, on le sait. Oui, on le sait. Bien joué. Et exé qui arrivera comme un super-héros avec son stuff pour mettre bien ses coéquipiers. Voilà, on débloque toutes les lignes. On se moque au niveau du temple. On re-regarde le derche. Voilà, on a bloqué le temple. On vient Molokon. 3-2, on va décaler tous ensemble le spawn. Venez avec moi les potes. Allez, ça part de là. 3, 2, 1, on décale. Un spawn, triple ligne. Ça part à l'avantage quand même des CT parce qu'Electronic vient de remettre une patate à exercice. Donc on sait qu'il y a les deux infos au niveau du spawn maintenant. Lucky qui vient prendre de l'information. On les joue tous ensemble. Et ça passe. Encore une fois, beaucoup de lucidité. Ouais, j'ai un peu l'habitude. C'est du live, mais je prédis un peu ce qui se passe parce que bah, c'est du jeu logique quoi. Ça joue intelligemment, ça s'attend, ça prend des précautions. C'est du beau jeu de CS. C'est du beau jeu de CS là. On gourmande pas tous ensemble. On est tranquille. On est tranquille. C'est très très bien. Allez, 8 à 3. Faut aller mettre ce 9ème round. Surtout que regardez, hein, c'est que des rounds d'armée. Un petit pistol derrière et on est bien. Allez, encore un. Joko qui tombe après être brûlé dans la Molotov. Bumic qui est quand même plutôt efficace avec son sniper. Hein. Autant je l'ai critiqué tout à l'heure, autant c'est le seul qui fait des stats, je crois. 8 kills. Ah non, j'ai dit de la merde. J'ai l'impression quand même qu'il fait des kills. Voilà, round poubelle. On s'est effondré. On est tombé comme un chapiteau de cartes là. On est 3v5. Ça a l'air quand même très compromis ce round. Allez, exercice pendant ce temps-là, qui a bloqué, hop, il sera tombé. Electronique qui a peur de devant lui, il se fera wallbang, il est obligé de cross. C'est Adji qui cross tout seul, Lucky, qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là, ça aurait pu partir en cacahuète. Hein. Si Exe, c'est ce qu'il a. Allez, allez mon Lucky, allez mon Lucky. Le B est libre, il y a Boomich qui va arriver au niveau du connecteur, mais le B est libre. On va se mettre sur Boomich pour voir un petit peu ce qu'il va te poser comme problème. On est mollo parce qu'on a bien évidemment... la conscience. Oh là là, super. Allez Lucky. T'es un grand joueur, t'es un grand joueur. T'es un grand joueur, t'as toujours été un grand joueur, frérot. Même si je t'ai battu en LAN. Sur Overpass. Ouais, je flex. 1v2. Je vis pour les caméras. Allez, moins un. Une petite flash. Oh oui. Oh oui. Non. Super Lucky. Tu m'as fait rêver frérot. Kit ramassé. Il a le temps. Il a le temps. Il a le temps. Il a le temps. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Une seconde. Il reste une seconde putain. Ah putain. Lucky. Superbe side. Superbe side les gars. Superbe side. 8-4, c'est magnifique. 8-4, c'est magnifique. 8 rounds d'armée. 8 rounds d'armée, c'est magnifique. Un pistol. Allez, un pistol. Salut le steak. Merci beaucoup pour les 36 mois de sub. Merci beaucoup pour ce soutien. Inconditionnel. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner les gars. Si Cloud9 remporte ce match, j'ai promis que j'offrirai 10 codes skin baron dans le chat. 10 skins. Et 10 sub gift à la chaîne. Donc let's go baby. Croyez en nous, croyez en ces joueurs. Ils proposent vraiment du beau jeu pour le moment. Allez Lucky, allez Lucky, allez Lucky. Voilà, on est tombé, on sait que c'est très certainement une split play désormais. Non, 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 non. Adji qui va faire le kill, mais on est en train de se faire bait. On est en train de se faire bait. Les trois derniers sont en train de se redisposer pour aller prendre le A. On va assumer une retake en 5v3. Est-ce qu'on a du kit? Est-ce qu'on a du kit en CT?
Qui a du kit? Pas de kit. Aïe aïe aïe. Bon bah amorcé. Adji le voleur de skin. Tema le combo qui m'a pris dans mon Steam Guard. Mais on t'aime frère. On t'aime. Si tu m'amènes au Major, y a moyen je te les offre. Peut-être pas le rubis quand même. Mais les gants peut-être. Aïe aïe aïe. On est vu XT. Oh, il fait quoi Boomich? Allez, moins 1, moins 2, 3v1. On sait que là c'est là, on viendra diffuser la bombe. Un peu de cover. Non, 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 wall pas Lucky, faut pas wall. Oui, Lucky, oui, oui, frérot, la cover, 9 à 4. Oh mon dieu. 9 à 4. Oh là là, Lucky fait une game, les gars. Joueur sous-côté, il est là pour les moments importants. C'est un mec qui a fait des majors, les gars. Il jouait chez G2, les gars. Respectez Lucky. Ça, c'est les joueurs sous-cotés. Très honnêtement, c'est pas parce qu'il fait une bonne game que je le dis, mais c'est des joueurs qu'on plébiscite pas assez. Parce que malheureusement, c'est des joueurs qui sont pas flamboyants dans le style de jeu. Et que c'est un joueur intelligent, qui fait des moves sneaky. Voilà, qui est un peu éteint sur le vocal. C'est des mecs qui sont pas extravagants et qu'on oublie. Mais là, allez, on se reconcentre, on est parti. Parce qu'en plus, les terreaux ont planté la bombe, donc on a de l'argent. On a un échange au niveau du mid, on est en 4v4 maintenant. Exe qui est tout seul au niveau du A et il va avoir Axil. Oi, oi, oi. Oh là là, Axil, ouais. Allez, on est vu et on lâche. Attention, ça crée de la rotation. Regardez, ça crée un peu de panique. Exe dit non, c'est bon, j'ai tout. Ok. Et Axil, regardez, hein, les cojones. Hein. 9-4, il y va tout seul dans le A. Il se pose aucune question. En train de se regrouper vers le B. Ça veut dire que... Salut Simalé, merci pour les 18 mois. Merci beaucoup les fidèles, on vous aime, merci des abonnements. Allez, on prend la CPL, on le sait, on va pouvoir bloquer côté de qui. On va deny un petit peu. La HE. Ah, il aurait pu la délai un peu. Mais il reste 40 secondes, c'est un appel. Joko, il lui reste une smoke également. Est-ce qu'on fait un contre-boost? Ah, dommage. S'il prend une petite tête ici, là, ça m'aurait pas déplu. Hein. Petite flash pour support. Oh, Joko. Petit poc. Joko qui reprenne. Lucky qui reprend. Maka aussi. Il a mis le fusil à pompe. Le dernier, il est temps. Et Maka qui viendra le finir au fusil à pompe. Superbe retake de 3D Max. Avec Joko. Il a repris dans le cubby. J'ai entendu un poc poc. Il a mis des headshots. Il a pété des crânes. C'est parti. 10 à 4. C'est ça qu'on veut. Néanmoins, ne nous éteignons pas. Hein, parce que 10-4. Bombe plantée. 3 armes tombées côté CT. On n'est pas bien. Regardez l'économie. On n'est pas bien. Je vous le dis. Ils nous mettent une pression monumentale. Il y a Perfecto. Il n'est pas là. Tant mieux. Parce que lui, c'est un clôture fou. Ne réveillons pas ces gens-là. Ils sont capables de tout, ces mecs. Donc, prenons ça petit à petit. On a une petite pause. 2-3 des max. 3 des max, Khaled, tactical, timeout. Voilà, faut baisser, faut réfléchir, faut rester lucide. Let's go, baby. Joko fait un superbe run. Hein. Il fait un entry dans le mid pour un revenge 4v4. Derrière la retake, il reprend tout seul dans le cubby. Enfin, pas tout seul, mais c'est lui le premier. C'est lui la première impulsion dans la reprise. Voilà, on a Lucky début de game qui était là. On a Exe qui a répondu. Donc là, c'est un peu chaque joueur qui se réveille à droite à gauche tous les 2-3 rounds. On a une petite phase de. On a un cycle où il y a un joueur individuellement qui step up. Maintenant, j'aimerais peut-être voir mon Maka là. Ah, il a la WAP. Allez, c'est bon. J'aimerais bien voir mon Maka. Là, j'aimerais bien voir mon Maka. Là, je le vois un peu éteint. Voilà, parfait. Regardez, vous voyez, là, 8-8. Je répète quand même que j'ai appris une très mauvaise nouvelle. Maka a 42 fièvres. Il était aux urgences ce matin. Et il est sur le serveur avec ses coéquipiers pour lâcher personne. Et il colle, il lead. Il est là. Voilà, il est là. Il est là. Et ça nous fait kiffer. Khaled, timeout. Ah, tu connais, frérot. C'est l'accent de la canebière. Hein. Allez, mon Maka. Donc là, on a décidé de faire une grosse défense mid, une grosse défense B et de laisser Maka tout seul en électron libre. Bon, ah, Boomich qui va faire le kill sur le connector. C'est en train de débouler sur le A. On a Haji maintenant qui est tout seul. Il va faire un kill, il l'aura bloqué. Il sait qu'il y en a un qui est passé pizza. Aïe, 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 aïe. C'est save. Dommage. Exe qui est naïf de la pizza.
Ouh, Lucky qui viendra démolir quelqu'un au XM, 2v3, ça n'est toujours pas jouable et on n'envisagera pas de la mettre. Hein. Mais là, Lucky, peut-être un autre exit ou alors upgrade son arme s'il arrive à ramasser sur un cadavre une arme, ce sera très intéressant. Et là, on s'est fait surprendre en B. Connector, on s'est fait surprendre, c'était Joko Haji. 900 euros le kilo pompe. Ouais, tu gagnes 900$ aux pompes. 900$. Regarde, Lucky, il a 2K3, il pourra très certainement dropper, tu vois. Donc c'est super important. Super important. Hyperfecto se réveille. Ouais. C'est des mecs... voilà. Donc on a Echo, Lacar, on va pas bail. Ça sert à rien, faut les laisser remonter là. 10 à 6, faudrait essayer d'aller même conserver encore une fois la WAP. Et peut-être jouer agressif le B, un flash pick en milieu de round, à une 20, une 10, une minute. Soit en milieu de début de round, soit en vrai milieu de round. Faire une phase de reprise en B. Ils ont l'air quand même d'appuyer sur le B, le connector également. Donc pour moi, il faudrait peut-être agresser le B, quoi. En milieu de round, hein, pas en début, quoi. Allez, Maka, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Il garde le mid tout seul. Allez, il garde le mid tout seul, il va mettre une balayette à électronique. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Lucky tout seul maintenant au niveau du A. Tout seul, gardien de la cave. Regardez, Emaka qui viendra revenir pour décaler avec lui. Exe, middle pour le moment, il est tout seul, ça va très bien parce qu'il a une smoke. Et AB, A2. Maka qui va venir faire un coup de pression. Vous voyez, il vient pour dire hey, « Coucou, je suis à la WAP les gars, je suis à la WAP. Allez en B. » C'est un tir... c'est un bait peut-être pour essayer de mettre de la pression et de les envoyer ailleurs, je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut nous faire, Maka? Il veut montrer sa présence. Ouais, regardez, hein, c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui se passe. Ça les a fait peur. Ils pensent qu'ils sont en écho et qu'ils ont juste économisé la WAP et qu'ils font un 4-1, ce qui est justement le cas. Hein. Et là, on a Boomix, regardez, il fait un fake. Ça appelle toute la défense. Y'a rien les gars. J'ai la ligne, y'a rien les gars. Y'a rien déjà. Allez, on va en B. Haji tout seul en B. Perfecto, Axil et Boomich qui vont faire les kills sur les mecs en B. 3v3 retake maintenant. Superbe travail de Boomich. Hein. Il a aspiré toute la défense au niveau du A. Il mange vite les fakes. Ah frérot, là y a un enjeu. Là tu prends n'importe quel flash sur le BP. Tu retards. Hein. Voilà, trop dur. Allez, on resave. On resave. Là, c'est tout le monde fake à ce moment-là. Tu cheats pas, tu cheats dessus, mais t'es obligé de mordre. Parce que t'es devant, tu joues une grosse équipe, tu joues des gros joueurs. Il y a un enjeu énormissime à l'issue du match. Tu prends une flash, tu dis les gars, c'est du B, hein. C'est automatique. Après, Maka, il avait la ligne. Il aurait pu dire y a rien. Update la com. Et peut-être réorganiser la défense au niveau du B pour aller aider Haji et tout. Après, Haji fait un bon entry. Mais derrière, on a double kill de la part d'Hétéro. On a double kill d'Hétéro derrière. Joko n'est pas là. Hein. Ah, Joko, 10-13. Il est pas dégueu en stats. Mais là, en B, j'ai pas l'impression qu'il a été solide. Sauf sur sa retake, le round où il fait un round de zinzin. Mais défensivement parlant, en solidité, je trouve pas qu'il a été un mur pour le moment. On a un stacker. On va jouer sur Maka. Qui n'aura pas de contact au niveau du mid. Hein, parce que tous les terreaux sont en train de se placer là-bas. Donc là, c'est Axil, l'entry. Axil a l'air plutôt agressif. Hein. C'est trop chiant de cette map. Ah, c'est une map terreau. Hein. C'est la map en CT, vraiment. Il y a beaucoup. Il y a trop de distance entre les zones. Ça veut dire que les rotas, t'es très vite hors de rotation. Tu vois, là, on fait un appel en A. On est en train de renfermer au niveau du mid là maintenant. Voilà, on repush au niveau du mid. Est-ce qu'on sera vu au niveau de la water? Allez, on est vu. Haji, Axil, Lucky qui veut renfermer derrière. Et en plus, on a perdu. On a perdu Lucky, Maka. Ils ont toujours leurs armes. On se regroupe au niveau du A. Allez, c'est Lucky qui va avoir du boulot.
Ouais, il entend tout. Merci Kylo pour le sub. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? On refait un fake. Regardez. On refait un fake et on part. Et Maka tout de suite il est revenu. Et là y a rien, y a rien, y a rien. Bon là le but c'est de save de toute façon. Mais les trois derniers rounds, on voit clairement que l'enjeu de Cloud9, c'est de le plan de jeu de Cloud9, c'est de fake en A pour rediriger en B. Ils ont fait ça très souvent. Obit qui arrivera à tomber face à Maka, on va peut-être économiser cette Kalash. On est vu, Perfecto qui fera tomber le ki. Et maintenant on va chasser du Maka maintenant. Donc là le but c'était de save. Est-ce qu'on arrivera à conserver encore cette AWAP? Allez Maka. Ah, on saute bien la ligne en plus, on sait qu'il y a un mec au niveau du contact. Il tombera au final. Est-ce qu'on ramassera son AK côté électronique? Son AWAP? On va donner à Boomich? Je ne pense pas. C'est ça. On a de l'AK là, de l'AWAP nous côté Maka? Non, pas d'AWAP. Pas d'AWAP. Donc là il faut plus mordre les fakes en A là. Là faut vraiment, quand il y a du fake, tenir les positions et faire nos paris. Faut mettre ce round. Parce que 18 les gars, c'est... Je vous le dis, ça fait très mal 18. T'es en écho derrière, 19. Allez exé. Et là on va jouer un peu agressif. On a deux contacts derrière. Exé qui va. On prend une hache-bouche en plus. On est mollo. On peut pas. C'est bien là. Bon, on a délé énormément leur prise de zone. On flash, on y va côté Axis. Wouah là là, Axis qui vient de mettre. Oh, je suis choqué là. Non. Là, je peux pas accepter ce que je viens de voir là. Il n'a pas fait un saut de 4 mètres de haut. Il est tombé sur son fiac. Il a mis un one tap en atterrissant sur ses genoux là. Non, c'est trop grave ce qu'il vient de mettre Axil. Un bon choix hein, côté 3D Max de verrouiller le A. Mais c'est mid round. Là le début de round on sent que... Je sais pas. Peut-être je suis délu. Ouais, je sais pas. C'est le shot. Le shot change tout. L'exercice, il a pris une dinguerie, frère. Il a son cadavre. Son âme, elle est partie du corps, carrément. Elle est là-haut. Il m'a, frère. Il a pris une dinguerie. Ah, il l'a fumé, gros. Il a pris un shot de malade. Je suis choqué de ce qu'il a pris. Donc 10 à 8. On est en écho. Est-ce qu'on peut pas mettre des pépites jiggle là et essayer d'arracher un peu tout le monde? Faut se réveiller là hein. Maka, Joko, Haji là. On a besoin d'exploits individuels là, faut répondre. Et regardez encore Axil là, il fume. Tâche caméra. On est trop au niveau du A. Adi Joko toujours le binôme en B. Sauf que là regardez, on est en train de prendre le mid hein. En train de prendre le mid. C'est Boomich qui ouvre avec la WAP. On n'a pas du tout l'intention d'aller jouer le B. Perfecto voilà, il met de la flash, de la petite mollo. C'est Axil encore une fois hein. Regardez hein. C'est un meurtrier lui, c'est pas possible. Je connais Adi. Oui, faites-le tomber, punissez-le, le saut de la molette, on connaît. Électronique pendant ce temps-là, regardez, il a pris la hauteur. Il s'est infiltré, électronique. Oh là là, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, quand c'est pas l'autre, c'est l'un, frère. Non mais c'est trop. On a le droit au bonheur un peu ou wesh? Quand c'est pas Tic, c'est Tac. Quand c'est pas Axil, c'est électronique, frère. C'est toujours 18, tu racontes quoi? Ouais, c'est ce que je te dis, si on perd celui-là, il y a 19.
Allez, c'est bon. Let's go, les gars. Emote 3D Max dans le chat. 10 à 9. On a besoin de 3 rounds pour gagner. Ouf, patate de Joko. Bien joué. Ah non, c'est pas lui qui a fait le kill. On économisera encore la WAP. Allez, Emote 3D Max dans tous les sens. Emote 3D Max dans tous les sens. Allez, 15 secondes de force pour ce freestyle. On y croit. On y croit. On va se réveiller. Les cartes sont remises sur la table. 10 à 9. On est toujours devant. C'est dur. C'est dur le side CT de Anubis. C'est très très dur. Pro middle. Double mollo. Lucky est obligé de lâcher. Lucky est obligé de lâcher. Donc connector, on est à 3 en B. On a 3 en B, 2 middle et en A on délaisse. Et Axil qui va commencer à arriver là. Parce que Axil là j'ai l'impression que c'est le cœur du jeu depuis tout à l'heure. Côté Cloud9. C'est très très mal. Et on deny, on deny, on deny. Regardez, le truc c'est qu'à 45 secondes c'est fini, on va être tout nu quoi. Le truc c'est qu'à 40 secondes on va être tout nu. Plus de smoke, il reste une. Pas de smoke, une smoke là-bas. Sauf que dans 20 secondes on est tout nu. Eux ils font rien en fait les terreaux. Ils nous ont tellement traumatisés. Ah, et Boomich qui va faire un kill. Regardez, Boomich qui fait des entries au niveau du B. Et là, c'est Axil qui va encore entrer au niveau du A. On va CPL. On va CPL le A maintenant. Merci Ryan pour le sub. Allez, Maka qui va en faire un. On investit le BP. Exe qui va en faire un deuxième. Maka qui se fait deny à la mollo. Le key solide, on est revenge, 2v2 maintenant. Makak est toujours là en train de survivre, il a la bombe à terre. Et Boomich, attention le lurker. Adji pourra s'en douter, je ne pense pas. Très très dur de décaler cette ligne. Trop dur même. Trop trop dur. Et Boomich qui fera tomber. Makak maintenant. Il rate le shot. Pendant ce temps là, on a Obit qui ramasse la bombe. Non, il s'infiltre, il vide la hauteur. Oh là là, super Makak. Aïe aïe aïe, et c'est Boomich qui va faire un 3K là. Ouah, putain. 10 à 10, 10 à 10, c'était notre round, c'était notre round. Les gars, je sais pas. Il était pas sur lui, Maka là, dans le shot caméra. Quand Maka il est là. Parce que, quand il est là, qu'il a la ligne comme ça. Il est sur lui, non? Ou j'ai le seum? Ou je pue l'aigreur? Je pue la jalousie? Il était dessus, il la leg. Je sais pas, non? Je le vois à proximité quand même. Hein. T'as le seum. Ouais, bah j'ai le seum alors. T'auras 10-10, j'ai le seum, les gars, putain. Allez, les frères, lâchez rien. Eh, les gars, ne soyons pas défaitistes. Ne soyons pas défaitistes. 10-10, on peut le faire. 10-10, on peut le faire large. On peut le faire large. 10-10. On est on a un petit bail de cacahuètes là et après on est de retour dans la game. Là on aurait pu le mettre celui-là, ça y est. On est relancé. C'est 3D Max qui pique la map. Et donc Cloud9 pique le side. Et là on agresse. On sait. Et Axil encore une fois. Qui garde sa zone et qui est plutôt solide. Il va faire du 1 pour 1, il donnera l'info. On se réorganiser au niveau du mid peut-être. Lucky qui bougera en B pour renforcer avec Exercise le BP. Maka et Joko middle et on délaissera totalement le A. Mais nous, côté Cloud9, ça a l'air d'aller en A. Hein. Ça a l'air d'aller en A. Ah non, ça fait mal, hein. Ils jouent slow, ça nous fait très très mal. Ils ont fait des fakes, des appels. On manque tellement de lucidité, on manque tellement de sang-froid. Sur la game, je parle pas en général, je parle vraiment sur la game. Ils nous ont tellement bousculé au début, qu'ils nous ont baladé et maintenant ça y est, c'est le money time. Et là... Là maintenant faut mettre des headshots quoi. Voilà, et ça finira à tous les rounds. En fait,
au début du premier side, au début du side, ils ont fait fake en A, finition B, fake en A, finition B, et maintenant qu'on ne croit plus du tout en ça, ils finissent en A, ils finissent en A, ils finissent en A, ils finissent en A. Ils sont dans nos têtes. Là, Boumich, il est dans nos têtes. Hein. Il maîtrise totalement le rythme de la game. Il maîtrise totalement le mind game de c'est du A, c'est pas du A, c'est du B. Je te fais croire que c'est du B, que c'est pas du A. Vraiment, on est tout le temps au mauvais endroit. Le seul round, c'était potentiellement le round d'avant où on était assez solide en A. Il y avait les trades et on était présent, mais malheureusement, Boumich, il met le clutch. Et ça, c'est les clutches. Bah, c'est 50-50, quoi. Finit en 1v1, il le met. Ah ouais, non, mais Boumich, un des meilleurs leaders in-game, hein, c'est pas le joueur de CS du bistrot. Ça gagne des majors, hein, Boumich. Là, de toute façon, Cloud9, Electronic, champion de major, Perfecto, champion de major, Boumich, champion de major. Axil, Obit, champion de major aussi avec Gambit, et Axile, un des joueurs les plus incroyables de la scène russe. Il mériterait d'un major lui aussi. Hein. Avec Gambit, il était trop chaud. Grosse équipe, Cloud9. Ah, Cloud9, c'est un prospect de l'année 2023. C'est 2024, c'est un des mercato les plus incroyables. Ils sont annoncés comme champion de major dans les prochaines éditions. Quoi. Ils sont annoncés comme le ultra favori de l'année 2024. Il y a Vitality, il y a FaZe, il y a G2, il y a Cloud9. Ils sont dans le top, dans le prospect, ils sont dans le top 5. Hein. Sur le papier, c'est terrifiant. Le mercato est terrifiant. Il y a des rumeurs comme quoi ils écarteraient Obit pour recruter Simple là dans pas longtemps. Donc Cloud9, c'est pas des lol. Hein. Attention, qu'est-ce qui se passe là? On est en train de bunny au spawn. Un problème technique peut-être? Ah oui, ça bunny partout là. Un problème des impose, on a appelé des admins pour reset le round. En CT, on se fait fake facilement. Ouais, Youssef, ouais, clairement, on est. Mais après, c'est facile à dire, on a toutes les infos, on a le radar, on se chie pas dans nos frocs. Tu vois, j'essaie de rester calme depuis tout à l'heure pour pas subir cette pression et cette. Mais c'est dur, les gars, c'est dur. Qui ici est capable de jouer contre une telle équipe et pas se prendre des fakes et pas crier dans le TS c'est du B, c'est du B, c'est du A, c'est du A, c'est du B, c'est le fake. Là c'est compliqué les gars, il y a une pression, la lecture de jeu c'est compliqué quand tu lâches les zones, tu regarde, tu te fais pisser littéralement dessus sur tous les rounds d'armée avec une domination totalement des Russes, parce que c'est même pas comme si on avait un clutch par-ci par-là, le seul clutch qu'on a eu c'est celui-là. Le reste, c'est quand même maîtrisé de la part de Cloud9. Hein. Là, c'est pas notre side CT qui est pourri, c'est la map qui est ultra terreau. Nous, en terreau, on les a éclatés aussi. Mais sauf qu'ils nous ont arraché un petit round là. Ils nous ont arraché un petit round là. Tu vois ? Nous, on n'arrive pas à leur arracher un petit round. Ils sont en train de nous faire un perfect. C'est la difficulté de cette map, c'est qu'elle est vraiment orientée terreau. Et que faut essayer d'aller gratter un petit round là, un petit round là. Là pour le moment, enfin faut être honnête, mais il y a Axil, il nous terrorise sur le A-Lobby, nous terrorise. Donc là encore une fois, on essaye d'innover avec un superbe boost, mais il vient pas, voilà. Donc, quand tu l'attends, bah il vient pas, ce gros chien de merde. Donc là maintenant, la smoke est dissipée, donc tu lâches le boost, et là maintenant Axil retourne à la gâche. Et là t'as Axil, frère, t'es masse, c'est ce requin, on dirait un requin blanc, qui regarde les documentaires là. Voilà, regarde Axil, frère. Il y a un requin qui rôde dans l'océan, Théma. C'est lui, gros. Voilà. Ah, enfin, il tombe. Enfin, il tombe. Et t'imagines ce qu'il faut pour le faire tomber? Faut y aller avec Exe. Ensuite, le kid doit revenge avec une mollo. Il me casse le crâne, frère. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, Axil. Hein. J'ai toujours dit qu'il était genre extraordinaire. Et là, regarde, boum, on réappuie sur le connecteur. Ce qui nous a fait défaut tout le début de la game, on réappuie dessus. Allez, Joko a dit qu'il va falloir être solide. Donc là, on réappuie sur la finition B. Molo, deny derrière, deny devant. On est molo, au beat qui tire en courant. Merci, au revoir, double tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Donc ce qui a fonctionné en début de side, t'as 1, 2, 3, 4 rounds. Là, t'as une phase de 4 rounds où tu prends fake en A, finition B, comme là, ce qu'on vient de voir. Après, t'as pris round A, round A, round A, round A. Et là, tu te reprends
Parce que Axil, il est tombé en A, donc t'as perdu ton point d'appui en A, Axil. T'es ton mec vraiment qui connaît toutes les lignes, qui va te rafaler tout le monde. Ouais les gars, ben venez, on retourne en B. Hein. Et là, t'as Hobbit, frérot, il fait du skateboard, il a décalé Joko Hadji avec CPL. Mais pourquoi? Parce qu'on est passif. On est passif, on attend derrière les zones, on leur donne tout le connector. C'est... Les mecs, ils arrivent au contact ici, ils mettent mollo, 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 mollo. C'est dur, c'est trop dur. Et là, 12-10, on n'a pas un round, on n'a pas un round CT où on voit le jour. C'est trop compliqué. Vraiment trop compliqué. C'est une game masterclass de Cloud9. Faut être honnête, hein. Ils ont joué excellemment bien. Je pense que 3D Max, on a joué excellemment bien aussi notre side terreau. La différence, elle se joue sur on se fait gratter un round là, on se fait gratter un round ici. Ou le key, il est en 1v1 là, rappelez-vous. Donc tu te fais arracher un round là, tu te fais arracher un round là, t'as mis le pistol, tu vois, tu mets le pistol, tu gagnes un pistol, tu perds un pistol. Ça joue sur là et là quoi. Et nous on met pas un 1v1, s'il faut gratter, il faut gratter un round par-ci par-là. C'est une map terreau, elle est ultra T-sided. Donc là je pense que les joueurs pourront avoir des regrets sur leur side terreau parce qu'ils ont pas tenté des trucs de ouf, ils ont joué passif, ils ont reculé à fond. Les sursauts d'orgueil on les a eu, mais c'est pour moi c'était un de l'ego mal placé où on a push le A là, où Axil il nous a terrassé là. C'est de l'ego mal placé, pour moi fallait peut-être envoyer Maka au niveau du connecteur à la WAP, des trucs de ce genre là quoi. Je vais pas refaire le monde, ça sert à rien. Ouais, on tente à chaque fois des petits boosts pour Maka, mais il est jamais au bon endroit. Voilà, regardez, on l'a en Axel. Voilà. Et là, t'as Axide, il s'en bat les couilles. Une 37, changement de rythme. Y'a rien en A. Y'a que Exe pour aller réceptionner. Voilà. On CPL, on met une pression, met une pression, met une pression. Boum, ça vient. Et là, il se passe rien. Voilà, et Hobbit qui viendra finir le duel. Et là, il se passe rien, juste on a déposé Axile. Voilà. Encore une fois, on a une grosse activité, un gros appel de jeu. On a un gros appel de jeu, mais là tu vas aller la décaler toi la ligne ici là. Tu vas la décaler toi la ligne. T'as Boomich qui est en shoulder pick et t'as Axil en fouinasse. En fouinasse de zinzin sur la gauche. Et regardez. Il chill. T'as plus de stuff côté CT, t'es à poil. T'es terrifié là. Là s'il se passe rien, t'es terrifié. Et là Maka il va se prendre une double décale. Je vois pas comment il survit Maka. Il peut en faire un, mais je vois pas comment il survit là. Là je vois pas comment il survit. Parce que même s'il va décaler là, Boomichi swing. Ah, il y a Hobbit. Maka il en fait un. Maka il en fait. Oh bah Maka va survivre parce qu'il est trop fort. Il en fera pas 3. Merci Maka. Je vais me faire mentir. Perfecto. On arrive dans le cul côté Joko. Allez Joko. Allez Joko. Hadji avait faire le kill. Joko. Joko 1. Joko il en fera pas 2. Ah non. Joko. Je vais le mettre celui-là aussi. Oh la dengs. Oh la dengs. Ah, il y a des regrets sur cette game. Ah, j'ai des regrets moi. Moi personnellement, j'ai des regrets. T'as un round que tu peux arracher. T'as un round que tu peux arracher là. Ça manque de rien sur les deux rounds. Mais il manque. Et sur le reste de la game, sur le side terreau, je parle. De Cloud9, c'est incroyable. Et Axil nous a terrifiés. Axil nous a terrifiés. Vraiment, j'ai pas vu les... Axil nous a arraché nos mères. Il est où Axil? Axil, regardez. Plus la merde, sa game. Plus la merde. 17 kills. Plus la merde. Pas... Tu te dis pas... C'est une game masterclass. Il nous a écrasés, tu vois. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder les stats. Il faut regarder les games. Mais il nous a terrifiés. Le side terreau qui fait Axile, c'est incroyable. Et Boomich, il a 20 kills. Sniper de Zub, je l'ai critiqué. Bah, Théma. Théma, la game de Boomich. Il a été efficace, il a mis des clutches. Il a lead comme un zinzin. Il nous a baladé du A ou B. Il a fait des fakes, des contre-fakes, des appels de jeu. C'est une masterclass. Hein, la lecture de jeu de Boomich, c'est une masterclass sur cette game. Voilà. Et nous, Joko 11-19. Hadji 16-21, 15-19 pour Exe, 17-13 pour Maka. Lucky a fait une game grandiose. Lucky a eu un side CT stratosphérique. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi.